Amen, grand Seigneur. Alors, on va se lever ensemble, sur le bien, et on va aller dans notre texte qu'on a lu déjà deux fois dimanche, et c'est dans Matthieu, particulièrement, donc, au chapitre 7 et au verset 15. Matthieu, chapitre 7 et au verset 15, particulièrement, donc, nous lisons dans ce message intitulé « Les loups ravisseurs et cruels ». C'est la troisième partie, donc, de ce grand message, cette grande étude que nous avons besoin, évidemment, d'entendre actuellement. Alors, particulièrement, on lit ce que Jésus lui-même, donc, a déclaré. Gardez-vous des faux prophètes, hein, des prophètes qui sont faux. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et c'est le titre de l'étude, « Loup ravisseur et cruel ». L'apôtre Paul, dans Acte 20, a dit que c'était cruel. Jésus a dit « Loup ravisseur ». Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, pas à leurs dons, voyez, mais à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, hein? Ou cueille-t-on des figues sur des chardons? Non, tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre, hein, et l'arbre, évidemment, ici, on l'a compris, ça parle de personne, vous voyez, d'homme ou de femme. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, deux fois dans ce passage, Jésus dit, vous les reconnaîtrez. Verset 16 et au verset 20, hein, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, on peut les reconnaître. Seigneur, nous te bénissons. Nous te demandons de bénir abondamment ta parole à chacun de nos cœurs, que nous puissions comprendre et réaliser, Seigneur, que nous avons parfois affaire à des loups à l'intérieur de l'Église. Aide-nous à les reconnaître, aide-nous à nous en éloigner, Seigneur, et à les éloigner de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, puisque nous parlons donc de ce sujet et que nous nous y attardons, nous allons nous poser une question ce soir. Comment savoir vraiment qui sont ces gens? Comment savoir qui sont ces gens? Pourquoi Jésus dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis? Donc, la couverture extérieure, ce que vous voyez en apparence, ce sont des brebis. Ça veut dire, c'est un frère, c'est une sœur. Voyez. Mais, ajoute le Seigneur, à l'intérieur, donc l'intérieur qui n'est pas visible, voyez, eh bien, ce sont des loups ravisseurs. Ravisseurs. Donc, ravisseurs, on parle de vol. Hein, ils viennent vous voler, ils viennent vous déraciner. On ne peut pas les reconnaître à leurs habits, mais on peut les reconnaître à leurs fruits. Leurs habits, c'est un habit de brebis, voyez. Ces gens vont venir à l'église, ils ressemblent à des brebis, ils tapent des mains comme les brebis, ils chantent des cantiques comme les brebis. Ils parlent en langue comme les brebis, mais leur vie personnelle, leur vie intérieure, leur vie personnelle est presque toujours un désordre. L'intérieur est généralement un désordre. À l'arrière-scène, c'est-à-dire ce qui n'est pas visible, à l'intérieur, à l'arrière-scène, ces gens-là, quand on ne les voit pas, quand ils ne sont pas dans la maison de Dieu, tout change. Pourquoi? Parce que leur relation avec le Seigneur est simplement une façade, simplement un vernis, simplement une vitrine extérieure, une sorte d'illusion, d'apparence. Et on sait que ces loups vont multiplier à la fin des temps,
puisque l'apôtre Paul va dire qu'un des signes de la fin des temps, c'est que beaucoup de personnes auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Donc, beaucoup de personnes se disant religieuses, mais finalement, simplement un apparat, une apparence extérieure, une façade, une vitrine. Chez eux, généralement, à la maison, ces gens-là crient toujours contre les enfants. Ils battent leurs femmes, même des femmes louves battent leurs maris, voyez. Et ces gens-là mentent, ils volent au travail, vivent dans la pornographie. Et je n'ai jamais connu un loup dont la vie était en ordre. La vie est toujours en désordre. La vie d'un loup est toujours une vie totalement désordonnée. Imaginez, au milieu de leur désordre, et ils le savent, eh bien ces gens-là ont une compulsion pour venir conseiller les autres, pour venir donner des conseils et conduire la vie des autres. C'est terrible, c'est incroyable, voyez. Certains loups tournent autour de certaines familles, certains loups tournent autour de certains foyers. Exemple, un loup dont la vie personnelle était totalement un désordre, sa famille entière était un chaos, un fouillis, une pagaille totale. Il y avait des bagarres, des querelles, hein, les soucoupes volantes, hein, c'était régulier à l'intérieur de la maison, les soucoupes, les assiettes, hein, volaient, tout ça. Il y avait des bagarres continuelles, des querelles avec les enfants, avec sa femme, avec sa parenté. Il avait une réputation effroyable dans ses finances, dans la communauté, mais cet homme-là était toujours à la porte des autres pour offrir ses conseils au nom du Seigneur. Rendez-vous compte, rendez-vous compte. Une compulsion totale. Ces loups, ces personnes-là, leurs conseils sont juste un paravent, un rideau, une sorte d'écran de fumée pour cacher, camoufler leurs péchés. Leurs péchés. On va lire un passage dans Romains 2. Dans Romains, chapitre 2, verset 18, « Toi qui te glorifies de Dieu, qui connais sa volonté, qui apprécie la différence des choses, et t'as instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur, c'est-à-dire l'enseignant des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. » Donc, ces gens veulent absolument enseigner les autres. Mais toute leur vie est une vie de désordre, de désordre. Donc, ce qu'ils enseignent, eh bien, ils ne veulent pas le vivre eux-mêmes. L'enseignement qu'ils donnent, qu'ils accordent, ils ne veulent pas le vivre eux-mêmes. Et ils ne peuvent même pas le vivre, je dirais. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu n'est pas avec eux. Pour pouvoir vivre la parole de Dieu, il faut que le Saint-Esprit soit avec nous. Mais ces gens-là, qui sont des loups et qui sont connus de Dieu, n'ont pas, évidemment, l'approbation de Dieu sur leur propre vie. Mais cependant, ils vont essayer d'avoir accès à votre vie. Accès à votre vie en prétendant être soucieux de vous. Les loups sont toujours soucieux des autres, voyez. C'est toujours des gens qui prennent soin des autres, voyez. Et ils vont essayer de vous contrôler en vous annonçant des paroles. Des paroles. J'ai une parole pour toi.
en vous annonçant des paroles concernant votre vie. Et je vous donne un exemple. Un jour, il y avait une famille qui est venue au Seigneur. Cette famille avait été, par la vie, blessée, comme beaucoup, évidemment, de personnes. Cette famille avait eu beaucoup de problèmes. Mais voilà qu'ils se sont repentis. Le mari et l'épouse sont venus à Jésus-Christ et maintenant se sont attendus au Seigneur. Ont mis leur confiance dans le Seigneur. Ils avaient une petite fille avant qu'ils viennent au Seigneur et quelqu'un avait placé dans le sac de la petite fille de la drogue. Et la petite fille a été dans le coma pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Quand elle est sortie du coma, la petite fille n'était plus normale. Elle n'était plus normale. Elle ne réagissait plus de la même façon qu'avant. Une belle petite fille, précieuse, endommagée par le péché du monde, par le péché des autres. Cette jeune famille a commencé à aimer Dieu, à venir à l'église. Un jour, ils ont parlé au pasteur d'un homme qui allait souvent chez eux, qui s'intéressait particulièrement à eux et leur donnait régulièrement aussi de l'argent pour les aider dans l'épicerie, dans les vêtements, mettre de l'essence dans la voiture. Voyez, cet homme était en train d'acheter littéralement son entrée dans cette famille, dans cette maison. Le pasteur est devenu tout de suite très, très soucieux pour la jeune famille qui venait d'accepter le Seigneur. Le mari s'appelait Jerry. Et Jerry a continué à raconter au pasteur que cet homme, en venant chez eux, leur donnait des paroles inspirées de Dieu. « Mon frère, Jerry, j'ai une parole de Dieu pour toi. J'ai une parole de Dieu pour toi. » Cet homme a commencé à leur dire des choses sur leur vie personnelle. Et ce jeune converti et sa famille ont été convaincus que cet homme était véritablement de Dieu. Que c'était un homme pieux, puisqu'il parle de Dieu, puisqu'il venait à l'église. Vous voyez? Ah! Un jour, le pasteur est allé à la maison de cette famille-là, cette jeune famille. Il a pris conscience de ce qui est en train de se passer véritablement et il a dit au mari, « Jerry, il faut que tu fasses une chose maintenant. Cet homme qui vient chez vous, qui vous raconte, qui vous dit des paroles au nom du Seigneur, il faut que tu le chasses de ta famille. Il ne faut pas que tu lui permettes de continuer de venir. Mets-le dehors. C'est un loup et il a acheté, il a payé son chemin pour entrer chez vous dans votre famille en vous disant des paroles supposément venant de Dieu. Toute sa famille, à cet homme-là, je te le dis Jerry, toute sa famille est dans un désordre total, terrible. Et le pasteur avait fait sa petite enquête, évidemment, donc dans l'arrière-scène, mais ce loup avait si bien tissé, lié, entrelacé son chemin dans la vie de ce couple, qu'ils ne l'ont pas fait sortir de leur maison. Ils ne l'ont pas fait sortir de leur vie. Et ce petit malin, ce rusé, ce loup, les avait convaincus qu'ils avaient besoin de lui pour entendre directement la voix de Dieu à partir de sa bouche. Et ils l'ont cru. Des nouveaux convertis. Ils étaient juste nouvellement convertis, très jeunes, dans la foi chrétienne. Et ils les avaient convaincus que maintenant, ils avaient absolument besoin de lui, comme si lui était leur pipeline, leur ligne d'entrée au ciel, et que c'est par lui que Dieu était en train donc de leur dire des choses. Si vous voulez entendre Dieu vous parler personnellement, alors j'ai une parole pour vous.
Et ils avaient cru cela. Et cet homme avait commencé à les contrôler et à diriger leur vie. À diriger leur vie. Dans quel but? Pourquoi? Pour les détruire. Pour les détruire. Cette famille ne voulait pas vraiment chasser cet homme de leur foyer. Le pasteur les avait avertis de son mieux, mais Jerry ne voulait pas écouter. Le pasteur avait mis cet homme déjà en dehors de l'église, mais cet homme avait encore accès à cette famille qui venait à l'église. Un jour, le pasteur a reçu un appel téléphonique de Jerry. « Pasteur, je vais vous dire quelque chose. Cet homme qui vient chez nous, il commence maintenant à s'interférer dans notre vie intime avec mon épouse. Il dit maintenant à ma femme comment elle doit s'habiller, comment elle doit se coiffer. Maintenant, il est en train de dire à mon épouse ce qu'elle peut porter et ce qu'elle ne peut pas porter. Il est en train de dire qu'elle doit changer sa coiffure. Cet homme, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'était un loup qui était en train d'entrer dans une famille et il commençait à tirer directement cette famille vers ce qu'on appelle le légalisme. Le légalisme. Le pasteur a répondu à Jerry en disant, « La prochaine fois que cet homme vient chez toi, ne le laisse pas entrer. Tu le laisses dehors. Sors-le de ta maison. » Quand M. le loup est revenu chez Jerry, Jerry s'est tenu debout et lui a dit, « Sorte chez moi. » L'homme a répondu, « Tu ne peux pas, car tu m'appartiens. » Tu m'appartiens. Tu ne peux pas me mettre dehors. Jerry était tellement ébranlé, était secoué, bouleversé. Vous savez ce qu'il a fait? Il a abandonné l'église. Il a abandonné l'église et il a sorti sa famille aussi de l'église. La dernière fois que le pasteur a entendu parler de Jerry, Jerry était arrêté par la police pour conduite en état d'ébriété, ivre. Maintenant, Jerry est en prison pour vol qualifié. Voilà l'exemple d'un loup, le travail d'un loup ravisseur qui a dévoré toute cette famille. Un loup s'en prend aux faibles, aux jeunes convertis et aux anciens, aux personnes âgées. On l'a vu l'autre jour. Un loup va enfoncer ses crocs dans quelqu'un de nouvellement converti ou dans quelqu'un de blessé, de faible ou quelqu'un qui est âgé, voyez. Aucun loup ne peut rester longtemps dans une église qui est remplie du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le leadership vont le remarquer, vont le spotter éventuellement et il va partir en courant. Et en sortant, ce que fait un loup, c'est qu'il ne sort pas généralement tout seul. Il emmène, les loups emmènent avec eux tous ceux et celles sur lesquels ils ont gagné un contrôle et une autorité. Si un loup est assis ici aujourd'hui, il sera éventuellement découvert, dévoilé, reconnu par le leadership. Ça se passe comme ça. Mais cependant, avant que tout ça arrive, il va faire tout ce qu'il peut pour que son système de racines soit connecté au vôtre. Avoir de l'influence sur les chrétiens. Comme ça, quand le loup est repris, quand le loup est dévoilé, vous êtes tellement connecté au loup, plus qu'à la direction, vous sortez avec le loup. Voilà l'œuvre d'un loup. Jésus a dit, ils viennent à vous. Faites attention. Très attention. Un jour, il y a eu deux loups qui sont venus dans une assemblée. En une réunion, les deux ont été débusqués, dévoilés. En plein milieu de la prédication, je les ai vus
Ils savaient que c'était des mormons, ils étaient habillés comme des mormons. Et avec la cravate bleue, la chemise blanche, tout ça, assis tous les deux l'un à côté de l'autre, avec leur Bible bien comme il faut, proprement, tout ça. Et j'ai dit au milieu de la prédication aux chrétiens qui étaient là, ce soir, durant la réunion, vous avez ici deux mormons, deux faux prophètes qui sont ici, ils sont là, regardez-les. J'étais là, c'est quoi, là? Et là, ils sont sortis, ils ont fait un remue-ménage, et ils sont sortis en disant quoi? C'est ça l'amour chrétien? Les loups, on les débusque, voyez, parce que deux mormons assis dans une réunion, c'est de venir faire des contacts. Faire des contacts, voyez, après on va aller prendre un café, après on va parler de Dieu, de la Bible, tout ça. Et généralement, les nouveaux convertis sont pris dans ça. Voyez, ou ceux qui ont été blessés, ceux qui n'aiment pas trop le pasteur, ainsi de suite, voyez, sont pris. Et souvent, voyez, les loups travaillent comme ça. Nous avons besoin de savoir. C'est un exemple, voyez. Donc, quand le pasteur le défie, le loup, de quitter l'assemblée, il quitte. Mais il va déchirer, dévorer tous ceux et celles dont le système de racines est relié au sien. Est relié au sien. Ces gens-là, généralement, ne peuvent pas supporter la prédication de sainteté et de justice. Ils ne supportent pas ça. Voyez. Ils peuvent la supporter, mais seulement pendant un certain temps. Arrive un temps où ils ne peuvent plus supporter être saint, pas participer au péché du monde, blablabla. Voyez. Un homme d'affaires était dans une de nos assemblées, tout ça, et il m'a dit un jour, « Pasteur, je ne peux plus vous supporter. » Mais il m'avait supporté pendant au moins 2 ans. Un jour, il a dit, « Je ne peux plus vous supporter. » Voyez. Il venait aux réunions, même aux réunions de prière. Un jour, dans une réunion de prière, je n'en croyais pas mes oreilles, il a dit, « Même les témoins de Jéhovah vont aller au ciel. » Ah! Et ce n'est pas longtemps après que cet homme a dit qu'il ne pouvait plus me supporter. Ce peuple m'honore des lèvres. Les loups honorent Dieu, mais des lèvres. Voyez. Quand un loup arrive au début à l'assemblée, c'est seulement de la prétention, seulement de l'hypocrisie, seulement du faux semblant, de la simulation, de l'apparence. Il trompe, il dissimule ses véritables sentiments. Les sentiments véritables sont dissimulés. Et de façon intentionnelle, il le fait vraiment en y pensant. Et vous savez, généralement, le loup va dire, « Oh, c'est merveilleux !» Il va parler dans la cour, tout ça, ou à la sortie, à d'autres, en train de faire son système de racines. « C'est merveilleux, mais c'est une très bonne prédication !»« Ah, j'aime ça !» Il va taper des mains, tout ça. Pendant tout ce temps-là, l'intention, c'est de détruire l'assemblée. À la fin du culte, à la fin de la réunion, quand les loups sortent dehors et vous parlent, et ils disent quoi? « Ah, oh, mais c'est un merveilleux message! Mais c'est un pasteur merveilleux! J'aime ça, j'aime ça! Je veux rester là jusqu'au retour de Jésus! » Voyez? Et ils en mettent, et ils en mettent! En voilà la confiture! En voilà la couche! Voyez? Mais quand cette même personne arrive toute seule au coin de la rue, dans sa voiture, il dit, je hais ça, je hais ça, je hais ça. Il vient de vous dire, j'aime ça, j'aime ça. Ils ne peuvent pas supporter la prédication de sainteté et de justice. J'ai vu des loups arriver dans des églises où j'étais pasteur. Ils s'assoient directement dans les premières rangées de chaises. Ah! Oh. Après un mois, ils sont dans les sièges du milieu. Après 2 mois, ils sont assis à l'arrière, tout à fait au fond. Quand arrive le 3e mois, ils prennent la porte, ils sont volatilisés. Maintenant, je n'envoie pas des flèches aujourd'hui à ceux qui sont assis derrière. OK, vous me comprenez.
et d'écrire n'ont jamais aucune joie. N'ont pas de joie. Un loup n'a pas de joie. Je les décris et je prends mon temps pour les décrire. Ça prend quatre réunions, on prend quatre réunions, vous voyez. C'est très important. Les loups n'ont aucune joie. Avez-vous déjà essayé de critiquer, de murmurer et en même temps d'adorer le Seigneur? Ça grince pas mal, vous voyez. Les loups se promènent toujours en blâmant les autres pour leurs problèmes. Toujours. Les loups vivent avec tellement de culpabilité qu'ils essayent d'équilibrer le tout en blâmant les autres. En blâmant les autres. Les loups expliquent ainsi leur amertume, ils expliquent leurs mauvais sentiments. Laissez-les assez longtemps s'asseoir dans l'église, vous le voyez, il n'y a pas de joie. La joie de Dieu, la joie du salut n'est pas là. Ils viennent à l'église, mais il n'y a aucune joie. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je comprends qu'un chrétien parfois peut être triste. Il vit, il passe par une difficulté. Mais quand la difficulté est passée, tout, de nouveau, le chrétien a la joie. Hein, il loue le Seigneur, il bénit Dieu, il a la joie de son salut. Mais ces gens-là n'ont jamais, jamais, jamais aucune joie. Aucune joie. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jude va dire, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Une question qu'on va se poser, comment les loups agissent-ils? Leur mode d'opération, leur modus operandi, voyez. Généralement, les loups attaquent et accusent ceux qui sont en leadership. Leur tactique principale, leur modus operandi, est d'attaquer le leadership. Les principes de direction dans l'Église sont là, sont présents. Il y a une autorité. L'Église de Dieu n'est pas un moulin où chacun fait ce qu'il veut, dit ce qu'il veut, rentre, sort. Non, il y a une autorité dans l'Église de Dieu. Mais ces gens-là, les loups, vont généralement attaquer le leadership. Ils vont accuser. Et Satan, n'oubliez pas, est l'accusateur des frères. L'accusateur des frères. On sait qu'à la fin des temps, Paul va dire, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront ceci, cela, et calomniateurs. En grec, diaboloi. Ça veut dire quelqu'un qui calomnie à tort, c'est quelqu'un qui travaille avec le diable. Quelqu'un qui accuse, généralement le leadership. La Bible dit le contraire, Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, ça veut dire, ayez pour eux une certaine révérence, hein, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Il existe une autorité que Dieu a établie dans l'Église. Cette autorité a été donnée premièrement au pasteur. Cette autorité, elle est là. Elle est donnée à ceux qui sont désignés pour occuper des postes de direction. Cette autorité, elle est donnée à ceux qui sont en leadership. Le contexte du verset que je viens de lire, Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs », ça veut dire « Acceptez leur autorité ». Acceptez leur autorité. Faites bien attention à ce qu'ils vous disent de faire, soumettez-vous à eux. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux 13, verset 17. Mais attention, il n'a pas été donné au pasteur de contrôler votre vie. Je ne suis pas là pour contrôler votre vie, pour dominer sur votre vie. Pas du tout. Voyez,
La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, en parlant au pasteur, hein, de ne pas dominer sur ceux qui vous sont échus. Ne pas avoir cette domination. Le loup, lui, veut dominer, veut avoir cette autorité. Il veut vous dire, voyez, quelle chemise mettre, quelle chemise ne pas mettre. Il veut contrôler absolument votre vie. Et là, on tombe évidemment dans la secte. Dans la secte. Nous ne sommes pas, l'Église de Dieu n'est pas une secte. Elle est au contraire l'Église du Seigneur. Et ultimement, ce n'est pas au pasteur à prendre une décision que vous devez prendre. Le pasteur propose, mais il ne vous forcera pas à prendre une décision. C'est à vous à prendre la décision. Comment vous allez obéir à Dieu? Où vous allez aller? Ce que vous allez faire? Comment le faire? Ce que vous ne ferez pas? C'est vous qui devez prendre cette décision. Pas le pasteur. On ne domine pas sur la vie des gens. Nous n'entrons pas à l'intérieur de la vie des gens. Voyez? Si les gens ne veulent pas parler sur leur vie personnelle et intime, nous n'avons rien à voir à faire comme pasteur. Hein, on ne force pas les gens à dire ce qu'ils ne veulent pas dire. Voyez? Donc, quand vous êtes dans une secte, c'est différent. On vous contrôle. On vous contrôle et ceux qui sont en leadership vous dominent totalement. Totalement. Jim Jones, dominé totalement en Guyane, lorsqu'il a mis au lieu du vin, hein, du poison, et 800 personnes environ ont pris la Sainte-Seine avec du poison, et il les a dominés totalement, et ils ont bu le poison au nom du Seigneur, et ils sont tous morts. Ça, c'est la secte. Ça, c'est la domination totale, voyez, sur des gens. Donc, une secte, c'est quoi? Une secte, ce sont des loups à un niveau plus élevé. On essaye à ce moment-là de contrôler, de dominer, d'inspecter totalement votre vie. Et vous devez dire, on vous tire les vers par le nez, littéralement. Voyez, ça, c'est la secte. Mais les vrais bergers ne font jamais ça. Les vrais bergers vous conduisent, vous guident. C'est différent. Voyez, c'est différent. Écoutez bien, faites bien attention. Soyez diligents, soyez vigilants. Hein? Pourquoi les vrais pasteurs ont cette autorité? La Bible dit parce qu'ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes. Veillez sur, ce n'est pas surveiller. Amen. Dans la secte, on surveille. Dans l'Église de Dieu, on veille sur. Veillez les uns sur les autres. Voyez, c'est autre chose. C'est différent. Pourquoi ces pasteurs veillent sur vos âmes? Parce qu'ils en rendront compte un jour à Dieu, imaginez. Qu'il en soit ainsi, hein, afin qu'ils le fassent avec joie, hein, qu'ils puissent s'acquitter de leur tâche avec joie. Et non pas en gémissant, c'est-à-dire avec lourdeur, hein, avec tristesse, avec peine, ce qui ne vous serait évidemment d'aucun avantage. Et ici, dans l'Église, je bénis le Seigneur parce que c'est avec joie, amen, que je viens devant vous. Et semaine après semaine, mois après mois, année après année, je vous annonce, amen, le conseil de Dieu avec une grande joie. J'ai une grande joie avec mon épouse de servir le Seigneur, donc, dans cette Église où vous aimez la parole de Dieu. C'est bien différent. Nous ne sommes pas du tout, donc, une secte. Mais attention, comment les loups agissent-ils? Eh bien, les loups vont essayer de détruire l'autorité du pasteur sur votre vie. Un loup agit toujours comme ça. Voyez, ce qui vous fera vous éparpiller, le loup essaye de devenir lui-même l'autorité finale dans votre vie. Et le loup est très séducteur, très fin, très rusé, il a des paroles douces, agréables, voyez, donc il faut faire très attention. Et un loup peut faire dériver, échouer votre navire sur les hauts fonds, voyez, vous mettre à l'écart du troupeau, vous détourner, vous isoler. Quand une brebis est isolée, loin du troupeau, là, elle est une proie facile pour un loup. Parce qu'il faut rester dans le gros du troupeau. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a bâti son Église. Je bâtirai mon Église. Mais une brebis qui est à l'écart, qui est toute seule dans le champ. Le troupeau est ici, mais la brebis, elle est toute seule là-bas, à un kilomètre, voyez. Le loup, pouf, c'est facile.
à sauter dessus. Donc, la Bible dit, ne reçois pas d'accusation contre un pasteur. Si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. S'il y a dans l'Église deux ou trois témoins qui ont une accusation à porter contre le pasteur, ils peuvent le faire. Mais juste un seul qui vient et qui vous dit à l'oreille, pas le pasteur, la femme du pasteur, seul. Ça sent le loup. Ça sent le loup, voyez. Ne laissez personne venir vers vous et accuser quelqu'un qui a été placé par Dieu en autorité spirituelle dans cette église. Dites-lui, prouve-le. Dites-lui, amène ça à la lumière. Dites-lui, parle-en à ceux qui sont en autorité. Il faut convoquer ces gens qui accusent pour les rencontrer. Les accusateurs, on va leur demander de passer au bureau et on veut parler avec eux. Ne laissez pas le loup travailler sous le couvert des ténèbres, voyez, à l'ombre, dans l'obscurité. Un loup est toujours insoumis, toujours insoumis. Lisez avec moi dans Tite, premier chapitre. Tite, premier chapitre, verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Amen. Il faut que leur bouche se ferme. Qu'est-ce qu'ils font? Ces loups bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain, imaginez, un gain honteux, ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Voyez, ça veut dire constipé, imaginez. Hein? Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables, hein, et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Donc, on voit qu'il y a des personnes rebelles, discoureurs, hein, séducteurs, hein, ils enseignent pour un gain, ils veulent l'argent, hein, absolument, et il faut leur fermer la bouche. Voilà ce qu'il faut faire avec ces gens-là. Maintenant, les loups prétendent avoir un grand zèle. Ils prétendent toujours, parce qu'ils viennent du côté spirituel, ils prétendent toujours avoir un grand zèle pour évangéliser. Jésus a parlé des pharisiens qui évangélisaient. Et il a dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, un converti, et vous en faites un fils de la géhenne, hein, pire que vous. » Les loups ne font pas des disciples de Jésus-Christ, jamais. Quand Jésus dit « Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites », hypocrite, ça vient du grec « hypocrisis », qui veut dire « mimique, comédie ». C'était des gens qui mimaient, des comédiens. Parce que les loups ne font jamais des disciples de Jésus, tout en parlant de Jésus, ils font des disciples de eux-mêmes. À eux-mêmes. Voyez. On va le lire. Regardez dans Actes chapitre 20. Ils attirent les gens autour d'eux. Acte 20, dans les adieux de Paul au pasteur d'Éphèse, après mon départ, verset 29, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes
qui enseigneront des choses pernicieuses pour, regardez bien, entraîner les disciples après eux. Ces gens-là n'entraînent pas les disciples vers Jésus, mais vers eux. Venez vers moi, voyez. Et ils montent leur gamique, leur groupe, leur club, leur secte. Ça, c'est les loups, voyez. Regardez dans Galates, chapitre 4, et le verset 17. Il va dire le zèle qu'ils ont. Ils sont zélés, ces gens-là. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Quand vous êtes zélé pour un homme, vous faites fausse route. Il faut être zélé pour Jésus. Il faut être zélé pour le Seigneur. Le zèle de ta maison me dévore. Mais être zélé pour un homme, voyez, ça ne sert à rien. C'est la secte. Ça sent le loup. Et le loup s'entoure, voyez, de centaines de personnes, parfois de milliers de personnes. Il y a des loups très connus qui ont des centaines de milliers de personnes autour d'eux. Entraîner les disciples après eux. Et ils les empoisonnent. Et ensuite, ils les détruisent et les écrasent. Vous parlez de Pasteur Blend. Pasteur Blend était missionnaire en Afrique. Quand il était jeune chrétien, dans ses premiers pas avec Jésus, il a vécu une expérience assez particulière. Il est allé dans une église qui était en feu pour Jésus, comme vous, vous pouvez l'être aujourd'hui. Et lui-même était en feu pour le Seigneur. Il était juste sauvé, et il était un jeune professeur d'école. Et dans cette église, il y avait un homme qui était connu pour son zèle, hein, son feu pour évangéliser. Et cet homme a invité un jour Blend à aller avec lui évangéliser dans les rues. Et comme Blend était une jeune brebis, il a suivi cet homme et il gagnait des âmes à Jésus-Christ, supposément. Un jour, cet homme qui entraînait Blend, jeune converti, à évangéliser dans les rues, a dit à ce jeune instituteur, « Tu sais, ton pasteur, il n'est pas comme moi. Moi, je me soucie de toi, mais pas lui. » Flèche lancée par le diable. Ton pasteur, il n'est pas comme moi. Moi, je me soucie de toi. Regarde, on va dans les rues, on évangélise. Lui, il ne se soucie pas de toi. Voilà une flèche enflammée de l'enfer. Et Blend a fait sa petite enquête sur cet homme, même s'il était jeune converti. Cet homme, qu'est-ce qu'il faisait? Cet homme allait dans différentes églises avec ce prétendu zèle pour les âmes perdues et il volait les brebis qui étaient zélées pour le Seigneur. Et il a fait sortir d'une certaine église un tiers du troupeau. Cet homme a fait sortir un tiers du troupeau, imaginez. Et il a divisé et il a détruit ensuite cette assemblée. Voilà tout ce qu'il faisait. C'est entré dans une église avec son prétendu zèle pour évangéliser. Il attirait tous les nouveaux convertis à lui. Il les convainquait qu'il n'y avait pas d'amour dans l'église et il les éparpillait. Voilà le travail d'un loup. Voilà le travail d'un loup. Nous avons vécu, nous, un jour avec mon épouse, il y a une femme d'Afrique du Nord qui est arrivée dans notre assemblée. Zélée pour le Seigneur. Elle voulait évangéliser dans son coin, dans sa ville. Oui. Mais elle avait déjà un petit groupe à sa suite. Il y avait déjà au moins 5 personnes qui étaient autour d'elle. Elle faisait déjà des réunions chez elle.
à la maison. Et un jour, il est arrivé avec toutes ces personnes dans notre assemblée. Elle aimait le Seigneur, elle priait avec zèle, et même elle a demandé pour qu'il y ait des prières plus que ça dans l'église. Ouais, mes amis, le problème, c'est que c'était une insoumise totale. Quand on l'a repérée et que je l'ai mise dehors, elle est sortie avec son petit groupe. Le petit groupe n'était pas du tout attaché à l'assemblée, mais attaché à la bonne femme. Ensuite, elle a éparpillé tous ces gens-là aux 80. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Rien. Voilà une louve. Les loups, je vais vous les décrire, sont des gens zélés pour évangéliser. Ce sont aussi des gens qui sont des grands organisateurs de réunions de prières secrètes. Les loups, je répète, sont de grands organisateurs de réunions de prières secrètes. Pourquoi demander la permission au pasteur pour faire une réunion de prière? Pourquoi aller aussi loin là-bas à l'assemblée pour la réunion? Pourquoi prendre l'autobus? Pourquoi prendre sa voiture? Pourquoi prendre le métro? Pourquoi chercher un parking? Ils deviennent tellement rares. Ayons notre propre réunion de prière. Après tout, Dieu veut qu'on prie. Pas besoin de l'autorisation du pasteur. Souvent, ces réunions de prière sont très spirituelles. Il n'y a pas d'autorité, personne ne contrôle. Il y a des prophéties à l'intérieur de briques à braque. Il y a des visions, il peut y avoir des anges qui apparaissent. Il peut y avoir une confession publique dans la cuisine de péchés horribles, du désordre. Il peut arriver n'importe quoi parce qu'il n'y a pas d'autorité. Et au lieu d'apporter la guérison de Jésus, ces loups veulent connaître les troubles profonds de votre cœur. Dis-moi ce qui se passe dans ton cœur. Ah ouais? J'ai une parole de Dieu pour toi. Et ensuite, ils vont se servir de ce que vous avez dit, leur avez dit, pour avoir, ils vont avoir le contrôle et l'autorité sur vous et éventuellement vous écraser. Un loup. C'est comme ça que les loups agissent, pour entraîner les disciples après eux. Pas après Jésus, après eux. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Galates 4, verset 17. Tite, verset 1, chapitre 1, verset 10. Ces gens sont des rebelles, des vains discoureurs, des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Jean va dire, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit clair, manifeste, que tous ne sont pas des nôtres. Leur plus grande tactique au loup, c'est de semer la zizanie, la division dans le corps de Christ. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 16, verset 28, l'homme pervers excite les querelles et le rapporteur divise les amis. Le rapporteur divise les amis. La King James dit « the whisperer », ça veut dire celui qui... Vous voyez? Oui, c'est ça. Vous avez tous compris. Ça sépare les amis. Chuchoter à l'oreille, parler bas, murmurer, voyez, susurrer des rumeurs, la conversation à voix basse, faire circuler secrètement une campagne de salissage,
faire courir le bruit que. Les loups œuvrent dans les ténèbres, comme leur prince, qui est le prince des ténèbres. Jean chapitre 3, verset 20, Jésus a dit, « Quiconque fait le mal est la lumière, et il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Vous êtes une toute nouvelle brebis, lavée de vos péchés, heureux d'être sauvés, ça bouillonne de joie dans votre cœur, vous vous nourrissez dans le champ, dans le pâturage de Dieu, vous êtes proche des eaux paisibles, mais cependant, vous êtes un petit peu en dehors du gros du troupeau. Vous êtes un nouveau en train de faire votre entrée à l'intérieur du troupeau de Dieu, et ça se voit. Et quand vous êtes nouveau dans le Seigneur, ça se voit. On reconnaît vite cela. C'est alors qu'un loup ou une louve peut vous remarquer, peut vous spotter, vous noter, vous observer. On reconnaît très vite dans une ville quelqu'un de nouveau. Vous le regardez sur le trottoir, sa façon de marcher. Il regarde les panneaux, les bâtiments. On voit qu'il n'est pas habitué. C'est quelqu'un qui vient d'extérieur. Ça se voit très vite, voyez. La manière avec laquelle il regarde les feux de circulation, les croisements, les artères. Et vous, c'est facile à reconnaître. Vous avez votre Bible sous la main. Votre visage est rayonnant de joie, de brillance, tout ça. Vous êtes heureux de venir à l'Église, de connaître Dieu. Vous baignez dans la richesse de la parole de Dieu. Le pas est assuré. Votre façon de marcher, de regarder à l'intérieur de l'Église, ça se voit. Vous êtes heureux de suivre le Seigneur. Mais vous êtes nouveau. Et le loup qui est là, le remarque. Ah, lui, je vais essayer. On va peut-être essayer à la fin de la réunion, ou peut-être dans le parking. Ah, je vais essayer de l'approcher. Soudain, oups, voilà un loup qui arrive vers vous. Jésus dit, ils viennent à vous. Ça veut dire, ils vous ont observé. Ils viennent vers vous. Ce n'est pas vous qui allez vers eux. C'est eux qui viennent vers vous. Le loup se dirige vers vous, sort des buissons, soudain, sous le couvert de la nuit, êtes-vous prêt? Il s'en vient, le loup. Vous aimez le Seigneur? Voyez, l'introduction des loups dans une assemblée. Voyez, c'est exactement comme John Wayne. Vous connaissez John Wayne? Dans des films western. Il vient vers vous. Juste entre moi et toi. Just between you and me. Juste entre toi et moi. Ah, la petite brebis est là. Le loup est en face. Oui. Le secret, l'obscurité, les ténèbres. Le loup va dire à la jeune brebis, tu sais, je ne peux pas le dire à personne d'autre. Je ne peux pas le dire à personne d'autre. Et vous êtes une toute nouvelle brebis dans le Seigneur. Et vous lui répondez, « Ah, oh, ah, ah, ah. » Et là, vos oreilles de brebis sont prêtes, préparées pour le poison. Le loup arrive. Juste entre moi et toi, écoute. Il semble que frère Paul, il a quelques difficultés dernièrement. Hein? comment ça marche? Frère Paul, il a quelques difficultés dernièrement. Et Bobby, vous êtes... Ah, j'avais pas remarqué. C'est vrai? Ah, je savais pas? Ouais. Je vais te le dire. J'ai remarqué que ses prières ne sont pas aussi zélées qu'auparavant. Oh, quel discernement!
la jeune brebis, mais cet homme a du discernement, vraiment spirituel. Voyez. Maintenant, vous êtes prêts à recevoir la bouteille de poison. Vos oreilles sont grandes ouvertes. Le loup continue et dit, je pense que le frère Paul, bla 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 bla. Le poison est là. Le poison est rentré littéralement. Ah, je ne crois pas mes oreilles. Ah, je ne savais pas. Ah, c'est toute une nouvelle. C'est vrai? Oui, oui. Oui, oui, oui. Je suis pas mal sûr. Je suis certain de ça. Boum! Vous êtes dans le pâturage et vous êtes totalement empoisonné par un loup. Notez bien, juste entre moi et toi. Ça, c'est la manière des loups. Répondez, montre-moi ça dans la Bible. Oh! La Bible dit, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Et elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Rappelez-vous, les crocs du loup sont conçus pour tuer, pour écraser les os de ses victimes, pour déchirer totalement les jambes, le dos d'un cerf, d'une gazelle, d'un seul coup de croc aiguisé, affilé. Les paroles du rapporteur au restaurant, dans le parking, à la maison, ainsi de suite. Viens chez moi, je t'invite, on va discuter. Ouais. Ah, c'est un frère, ça, c'est pas de problème. Oui. Bon frère. Ouais. Je vais te dire quelque chose. Tu sais pas, dans l'assemblée, poison. Les paroles du rapporteur. Il y en a certains qui ont déjà été approchés. Jésus a dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Au départ, ce n'est pas vous qui allez vers eux, c'est eux qui s'avancent vers vous. Le pasteur d'une assemblée peut être réveillé par le Saint-Esprit à 3h du matin et ça sent le loup. Le Saint-Esprit le réveille et lui montre la personne. Ça sent le loup. Le pasteur ressent dans son esprit quelque chose qui n'est pas droit, qui n'est pas correct. La Bible dit, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée s'il cache sa haine sous la dissimulation. Attention, les paroles d'un loup vous remuent. Les paroles d'un loup vous dérangent tout le temps, vous empoisonnent, vous déstabilisent. C'est ce que le loup désire. Les paroles du loup vont circuler maintenant. Les paroles de ce loup vont être exposées devant toute l'assemblée, dévoilées devant l'assemblée entière. Et vous qui avez laissé une fausse autorité, vous contrôlez, à ce moment-là, il faut absolument que le système de racines avec un loup soit coupé net, soit cisaillé. Parce que ça marche par système de racines. C'est mon ami. Ainsi de suite. Le résultat, c'est lorsque les loups sortent d'une assemblée, c'est que vous allez sortir avec eux. La Bible dit dans Proverbe 26, « Celui qui creuse une fosse y tombe. La pierre roule de nouveau, revient sur celui qui la roule. La langue fausse est ce qu'elle écrase. La bouche flatteuse prépare la ruine. » Nous allons nous arrêter là. Et il y a encore une autre partie. Seigneur, nous te bénissons.
Nous te glorifions pour l'enseignement de ta parole. Merci, Seigneur, de nous avertir, de bénir aussi nos frères et sœurs qui, dans le monde, écoutent cette parole par Internet. Te demandons de les fortifier. Te prions de les garder, Seigneur. Des loups, Seigneur. Nous te prions que ton Saint-Esprit nous protège et que nous puissions avoir le discernement. Aide-nous à marcher dans l'humilité, Seigneur. Nous désirons faire uniquement ta volonté. Aide-nous à être des brebis dociles. Aide-nous à prier et à respecter ce que tu as placé en autorité sur nous, qui nous conduisent dans les voies droites et pures du Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta plus grande gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. La prochaine fois, nous verrons comment être protégé des pièges des loups. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. On va se lever ensemble, frères et sœurs.